Salut à tous, c'est Fabien, je vous présente aujourd'hui un nouveau wall brèche sur le jeu GTA V, donc en rapport avec ma vidéo précédente qui était également un wall brèche. Celui-ci est un peu plus utile et c'est un peu plus réellement un glitch qui est à corriger. Donc ce glitch, rassurez-vous, il est quand même pas démentiel, hein, rien d'énormissime. Voilà, je vais en profiter de cette vidéo pour répondre à quelques commentaires liés à mon glitch précédent sur ce même jeu. Sachez que GTA 5, GTA 4, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City, tous les GTA contiennent des glitches. Tous, c'est indéniable. Tout jeu contient forcément un ou plusieurs glitches. Ça dépend combien de glitchers se mettent à chercher des glitches. Et c'est pas forcément péjoratif pour le jeu. Je vois pas en quoi ça dénigre le jeu, ça pourrit le jeu de sortir des glitches sur celui-ci. Justement, ça permet aux développeurs de se rendre compte, d'avoir un retour des bugs et failles qui sont présentes sur son jeu. Et donc, ça lui permet tout simplement de les fixer, de les corriger. Lorsque vous êtes développeur, je peux vous garantir qu'avoir un retour sur le travail qu'on fait, c'est franchement bénéfique dans tous les sens du terme pour le jeu. Bon d'accord, c'est sûr que si jamais c'est un énorme glitch qui permet littéralement d'acquérir toutes les fonctions du jeu, c'est pas très cool. Mais lorsque c'est des petits wall breaks comme ça, un petit patch, ça se trouve il n'y a même pas besoin de mise à jour, et le mur est retexturé de façon correcte, de façon tout simplement à ne plus le wall break. Donc voilà, donc ce glitch, c'est un nouveau wall break. Comme vous pouvez le voir, vous avez juste besoin de sauter au niveau de la porte, donc que ce soit à droite ou à gauche, et vous pouvez sauter, et lorsque vous reculez un petit peu, vous allez rester au-dessus de la porte et pouvoir courir et sauter, entre autres dans cette partie de bâtiment wall break invisible. Donc voilà les amis, j'espère que ce glitch vous plaira, j'espère aussi que, entre guillemets, ma morale sera rentrée, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!